Bonjour peuple congolais, papa, maman, onyokwami pona kozo visa, agence de voyage Smart Consulting et yepona bino. Oza na posa obima na ba pays lokola Canada, États-Unis, ba pays nyonso ba état Schengen, Turquie na ba pays lolenge na lolenge na $500 Smart Consulting et saleli bino assistance et visa. Ba bourse peza disponible pour na bana nyonso bazana posa okokende kotanga libanda pona pays ya Tunisie, Chypre pe Biélorussie. Oza na posa ya kozwa biso toza esika ya kobunga te okomi na rond-point Willery na avenue Louvong 165 l'immeuble Kazam na premier niveau. Toza wana oza na posa ya kozwa ba information na nzela ya téléphone. Vous avez posé au Zabiso Nanzela à téléphone, au Bengi Biso na 081 144 38 91. Soit au Bengi, numéro Moussousso 081 32 62 203. La Smart Consulting, avec $500, on peut voyager partout dans le monde. Merci, votre Nabilo Nyons au Congolais des pères et des mères, 21 septembre 2021. Mardi, allez, le topé, si bien, on bote, si bien, on y'a bozali, bozana Kinshasa, bozali banda, ya Kinshasa, mais aussi bozana Mikili ya Poto, bozati, la siège, ya Nations Unies, si quoi, peut-être, mon conseiller, ko, la zako séjourné, bah, président, belé, bazako séjourné, qu'on a polémique, moke, botami, ma kasse, auto, ya batu, oyo, tata, mon conseiller, memi, qu'on a dit ça, mana, oyo, communiqué, moko, ya gena ngambo, ya Zambi, polémique et botaille ma casse tombe comme un kip colombe l'angope n'a mis son abisson mon collègue l'oyo réseau social à Kinshasa siège y a polémique que la république ne soit pas à nu professeur King Kemboulou Mbalobara la république est à nu 2019 tombe ma république la zéla wana te pour ceux qui tombent la république na libanda conséquence nango et vous avez l'or mon commandant mou mingi pentate topé si bien en beauté décision à ministre y a issu ya kokanga ba faculté médecine à ba université mususu après ça qui liste moka ba université oyo bazali habilité ya ko fonctionner faculté à médecine to lobela na mission na biso amkoya le communication institutionnelle ba ministre belé bazako se plaindre na sima ya contre on dit ya gouvernement que makamo belé o etali ba secteur mingi zo mona na tête ko meka mwa mke ko lobela ngona mission na biso amkoya le élection et seni to lobela ngo fonctionnement puis ensemble national Ayoki Mokolo, question orale avec débat adressé à la ministre, à peut-être un petit calobi, pour le Ronangaï, et à la programmer, et comme Kota la Raka Tata, président de l'Assemblée nationale. Troke Nango, et puis est-ce que vous avez programmé, vous avez programmé, n'ayez pas aux îles. Tu remets vraiment que Kolobé Lango, la mission de la mission, le pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Trois ans presque, est-ce que tu s'inscrire sur de bonnes bases, est-ce que tu s'inscrire sur les fondamentaux de développement durable, tu remets la Kolobé Lango, réserve de change, pour le micro tour et à l'écambo, tu remets à peu que le bel angon émission à bisou. Y a mon collègue Azali, DG à chaîne la télévision CML 13, Azali, coordonnateur national, y a VED, victime de l'état des droits. Lui, France, c'est qui ça la pression, vote. Mbote nde konangai trésor kalafai mbote na ba congolais nyonso ba rolanda biso d'ici comme d'ailleurs na ningi na banda ko féliciter très sincèrement. Merci. Au-delà il y a de grandes affinités familiales comme amicales et professionnelles na zanango na yo. Il faut rappeler que nazara na faible na bato ba ye ba ko sala musala. Sans verser dans le populisme, ba polémique pamba pamba, ba insulte, ba attaque. Tu as pu imposer cette émission à mine de rien, surtout participer à ma premier deuxième numéro. Mais avec ce que l'émission a subi, je me dis sincèrement que Ozana a mérité quand même dignité. Ozana, il y a Ozana journaliste na Congo, et je suis très fier de toi. VED, victime de l'état des droits, cette idée est venue d'où? T'as des droits en pleine construction, mais vous vous créez déjà avec certains amis, victimes de l'état des droits. Vous avez listé pas mal de gens. Aujourd'hui, est-ce que Moïse Katumbi plutôt,
fait partie encore de la liste wana, parce que bon liste qui Moïse Katumbi de suite il y a question il y a congolité aujourd'hui cette question n'est même pas programmée. Est-ce qu'il y a Zara na Katel Kambwane et puis Makanisi on est outil. Très bien, d'abord la première dimension il y a question là autour na Makanisi outil wapi Makanisi outil na constat au moins une loi bah loi bah acte administratif bah acte réglementaire nyonso et créaka et Zara créé sur base il y a constat sociologique, c'est-à-dire toute l'origine de tous ces actes administratifs, politiques, juridiques tire origine au niveau de la sociologie. C'est-à-dire que après constat ya marambozo les kana société, ndete koki ko yo kana poto zwa ba mesure yo koki ko accompagner résolution à ba problème ya société. Les lo o congolais nous sont d'abord, il faut pas Katumbi ben comment Fayulu Nyembo batwana ba koki ko zala ba victime état de droit dans une autre dimension politique. Mais la première dimension analytique, il y a bateau basa directement concerné dans l'état de droit, les alliés congolais nyonso. Comment ça? Parce que yon moro ndoza boyoza victime état de droit. Bateau nyonso baona ndabiso nanda basa ba victime état de droit. Pourquoi? Un, nazo démontrer un mot. État de droit, ils a vision té. Ils a slogan. Mais payer ba impôt c'est du mensonge simplement. Ba constitution ba lobby attends. De la loi ça vision té et ça slogan. La différence aux yeux en quoi? Vision vision vu que ça la yo. Lui France ça les vision na yo, mais on trouver slogan pour qu'on marche ensemble la vision. Très bien. Et ça très pertinent. Au moins le logo ba bengi vision de gouvernance. Et ça li programme, ça manière dont la linga to bien le lenga au kamboka. Vision na et ça quinquennal et vision et bandaga à partir la campagne électorale. Il faut lire bah auteur Belen et Montesquieu bah mm. Balobala balobé la fonctionnalité juridique d'un état okoki ko tanga batuneti ba Jean-Pierre Chevènement au balobé la fonctionnalité politique d'un état, c'est-à-dire que tant au candidat président s'est présenté aligné au gérer mboka, il faut la que ça batu lo lingo go gérer mboka ya on a bien une vision au go gérer mboka ndenge nini na makambo etali infrastructure. O kogerembo kandenge nini na makambo etali économie, o kogerembo kandenge nini na makambo etali sécurité, o kogerembo kandenge na makambo etali diplomatie, renseignement et tout. Yango babengi politique générale de la nation. Et politique générale de la nation est définie au départ au tobengi programme de gouvernement. Après ceux qui mouta bimi candidat président de la République a commis a prêté serment à ce programme na yewana et comme vision à pesi yango na gouvernement. Comme le président n'étant pas redevable au parlement, gouvernement est qu'il ko soumettre yango na parlement. Une fois adopté et comme vision ya mboka, c'est-à-dire que reste ya mututé et comme le lenge ya bokamba mi ya mboka. De cette vision à reconnaître un slogan. Je suis d'accord, yango na zo lobati. Il faut vision on a d'abord les banda kozala. Avant à repé sa slogan banda représenter vision. Vision zani. Vous allez seul étant dans monde vision à l'isaté. Quand tu poses cette question, on va t'appeler né, on va t'appeler ceci. Moi, je suis un homme de principe. Moi, je n'ai pas un problème avec les individus. À la différence, sur mon bateau, basala raba débat, au yoga au côté Mututel, à côté Fayulu, à côté Tshisekedi, à côté Bemba, à côté Nyembo, à côté Boye. Moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, je suis dans le débat des normes, de principes. Sur mon est d'accord, Nangate, tu me rencontres dans ces principes-là. C'est-à-dire quoi? On commence par présenter c'est quoi la vision. On peut prendre de cette vision-là dotée de slogans, même 1000 slogans. Mais aussi longtemps, vision est athée. Slogans, ils ont valé PNP. Et en plus de ça, faire du Congo un état de droit au centre d'Afrique, ils ont un slogan politique. Ils ont un souhait constitutionnel. Il faut lire les préambules de la constitution de la RDC. En fait, préambule, il y a constitution à RDC, lobby, tout le monde, la Congo un état de droit. Donc, ça, on a dit que la Ligue a commis à Congo un état de droit. Ce n'est pas un étonnement. Et puis, il y a une invention à été. Ils allaient et l'autre constitution prévoir. Mais le problème n'a pas été que tant que nous avons un bon cahier, nous avons un bon état de droit, nous avons un bon économie, nous avons un bon sécurité, nous avons un bon OYO et FAO et l'OBI, nous avons le troisième pays ayant le taux le plus élevé de malnutrition. Et on a financé, la Banque mondiale a financé deux fois de suite. Aucun problème n'est résolu au niveau des provinces. Sur le plan sécuritaire, sur le plan, mais c'est ça, sur le plan sécuritaire. Déjà, bateau nous sommes là, bah malnutri ou ana, oh Banque mondiale est foutue là en bongo. Bah moni mbongo en hôte, bah moni nutrition, bah ça bah victime état de droit.
Parce que l'état de droit est apporté les mises en vision et on y a créé solution et apporté ma problème. Deuxième chose, va poser question sur le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que moi, je suis du département du droit international public. Donc, NASA, très outillé, dans ma boîte, ma statistique internationale. Conseil de sécurité des Nations Unies, Balobi, Tozan, Tokomina, 13 500 000 morts. 13 500 000 morts pour un État de près de 84 millions de Congolais. Sur le plan sécuritaire, vision, il y a gouvernance, il y a président et prévoyant une ligne. Quels sont les mécanismes de résolution des problèmes? Pourquoi il y a état de siège? Mais état de siège, parce que maintenant, par jour, là, il y a des états de siège, il y a des états de siège, presque 800 morts. Qu'est-ce que l'état de siège, pendant qu'il se passe, il y a état de siège, 800 morts, qu'est-ce que l'état de siège a apporté? Parce que les problèmes politico-administratifs dans un état sont posés pour régler les problèmes de la société. Dès lors que les problèmes ne sont pas résolus, ça ne vaut pas la peine de parler de l'état de siège. Je suis désolé, je vais choquer, mais m'en fous. Troisième chose, sur le plan infrastructurel, nous pouvons nous appeler capitale, c'est la capitale la plus sale du monde. Sur le plan, parce que tout ça dit, il y a quatre secteurs, il y a beaucoup d'analphabétisme constitutionnel, il y a secteur, il y a l'éducation. Mon conseil, ça dit d'abord, un, l'éducation n'a jamais été un secteur. Il faut se dire ça. L'éducation n'a jamais été un secteur. Nous avons quatre secteurs de la vie de toute une nation. Il faut autant à François Boré, droit et politique comparé du tiers-monde. Il parle de trois secteurs de la vie d'une nation. D'abord économie, sécurité, diplomatie, renseignement. Après le secteur, il y a ce qu'on appelle le sous-secteur. Éducation, infrastructure, travaux publics, tout ce qui s'en va avec. Et puis, tout ça, là, vecteur. Vecteur dans une nation, c'est quoi? Ce sont des programmes, comme 100 jours. Et ça fait. Mais pas comme si 100 jours vision, pas comme si 100 jours secteur, pas comme si 100 jours programme. C'est-à-dire quoi? Et là, c'est ce qu'on appelle programme. La émission programme, c'est exact quinquennal. Donc, tant que nous avons côté en fonction, à l'émission biso, à Okambambo, à Ndengeni. Mais ceux qui dansent pour un mandat de 5 ans, na 5 ans, vous en avez 4 visions. 100 jours. Chile Gelou. État de droit. Soit nous on est des cons, c'est nous qui ne comprenons pas, c'est nous qui ne lisons pas bien, c'est nous qui ne faisons pas bien des recherches. En fait, Batouba Soumi Mokonzambo Gaté, Félix Tshisekedi dit c'est notre frère, je l'ai toujours dit. Félix Tshisekedi dit c'est notre frère. Bah, tu peux pas dire que ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Ouais. En fait, ce qui nous délie d'eux, moi ce qui me délie d'eux, ce sont le principe de l'action gouvernementale de l'État. On est délié là. De sorte que on a battu pas ça là, on peut se saluer, on peut manger ensemble, on peut boire ensemble. Mais quand il s'agit de la gestion de l'État, il y a des principes. Et quand vous n'avez pas répondu à ces principes-là, ça ne vaut pas la peine. Donc, on a raison que la marabout est allée les victimes de l'État. État de droit, et il y a qui n'a pas même sous l'État, Makambouya, maï, courant, l'eau et l'électricité. Makambouya, maï, l'eau et l'électricité, ce sont des problèmes. Je crois que je n'avais pas eu un problème au début. Non, non, ça va. L'eau et l'électricité, état de droit est apporté. Sur le plan, il y a gestion managériale, il y a maille, il y a fourniture d'eau. Quelle a été la politique générale du président de la République dans ce secteur-là? Dans la seule capitale dans le monde des Alliés est maillée d'eau, de plus grandes sources d'eau du monde, parmi, je dis bien. Parce que ce qu'on a dit Libye, ce qu'on a dit le roi d'Égypte, va transposer maille à partir de plus de 5 millions de kilomètres. Va bendi maille. Na ba tuyo. Va côté si maille na mboka. Pour maille, m'soye mboule, zo betate, maille zo arrosé, pays mobimba. Na place à mboula. Mais nous, nous avons le fleuve Congo. Il suffit de prendre le fleuve dans son état de salité là, de le transformer avec des produits chimiques. D'abord, nous n'avons pas un laboratoire de transformation, de traitement. Il n'y en a pas. Mokonzambo Katangwaye, quelle a été sa politique gouvernementale dans le secteur d'eau? Seul Mboga na monde mon ministre à hydrocarbure, na tonga azui piqué pache mituka. Abani oge lukamai, ministre à hydrocarbure. Mais ce pays est maudit. Seul Mboga na monde zomona que
Soko ken na ba installation ya présidence de la République au fini boema yebi maraté. Donc mali fo ko zo toki na cantine bo sopi. Ezana ba installation hygiénique te ya ki ça c'est ko yebi so ke ba finalement yebi mara. Mali fo ko tiana tuku. On vous dirait que l'excuse est facile dès les 18 ans de la gestion de Tandila. Donc, moi, ce que je trouve malheureux, c'est quoi? Au lieu que nous ayons le courage, c'est-à-dire qu'au lieu que nous ayons le courage de les dire, ton limite est justifié que comme on a 18 ans, ça les logoté, donc on a 3 ans pour que ça les logoté. C'est comme ça, ce pays. Donc, 18 ans, ça les logoté, il y a 3 ans, ça les logoté, mais on n'a pas mort à l'État, ça les logoté. L'État t'a donné le moyen et la signature. Mais tu ne peux rien faire parce que celui qui t'a précédé n'a rien fait. Je ne sais pas. Cette bourrage mentale. L'état de droit est né du fait de voir que la vision telle que présentée par le président de la République pendant sa campagne de faire du Congo un état de droit n'étant pas constatée telle que promis, le peuple congolais, avec ses anciennes misères d'ailleurs, avec recrudescence, parce que misère est Bakisami, il faut retourner à l'Olonde de Kokalafa, il y a un autre journaliste. On peut trouver 10 dollars, on peut trouver 2 000 francs. Tout le monde a qui sens, il y a un ngaba, il y a un matete, il y a lemba, il y a un mboudi, il y a 5 000 francs. Pose-lui la question, quel a été l'impact de sa vie pendant la gestion de Kabila, qui a été une gestion catastrophique, qui a été une gestion, je dirais, à l'ambo. Mais la gestion de Kabila, c'est quoi la différence sur le plan social? L'impact de la vie sociale du Congolais a changé à quel niveau? En fait, moi, je ne voudrais pas qu'on dise aux gens que le président a la volonté de faire. Nous n'avons pas besoin d'un président qui a la volonté de faire. Nous avons besoin d'un président qui fait. Parce qu'il a l'argent, il a la signature, il a les institutions, il a tous les mécanismes juridico-politiques. Il a même la majorité aujourd'hui. Il a la majorité. On ne voudra pas revenir sur le juridisme de comment il s'est doté de cette majorité-là. On ne voudra pas revenir dans ça, mais il en a. Qu'est-ce qui lui manque? Donc, quand il faut, Ozana Mbongo, Ozana Nyonso, mais bisoto mandaroye, il s'agit que Ozana volonté à Rosala. Volonté, il s'agit que Ozana Mbongo. Mais tant qu'on a une volonté, il faut matérialiser Yango. Donc, si Ozana volonté, Ozana Mbongo, il faut matérialiser. Mais je vous dis, voilà pourquoi tant que Totala dit observer vie à Congolais. Pour les mêmes propos attentatoires à la sûreté de l'État, moi je n'ai jamais un problème avec les individus, moi je suis un homme de principe. Les propos attentatoires à la sûreté de l'État a répondu à un conseil de famille et rentré à la maison. À un conseil de famille, on ne nous a jamais dit la suite. Quel est ce conseil sur de le famille plan judiciaire. Merci. Sur le plan judiciaire, il y a des sortes de droits qu'il faut réserver à quelqu'un qui a un problème de justice. Soit un acquittement sur base d'innocence, soit une condamnation sur base de la culpabilité. Entre deux choses, ligne. Ce n'est pas les deux au même moment. Soit il faut nous dire qu'il a été innocent, soit il faut nous dire qu'il a été coupable. Mais ici, nous sommes en face d'une situation de flagrance. Qu'est-ce qu'on appelle flagrance en droit répressif congolais? Une infraction qui se commet, qui est en train de se commettre. On n'a plus besoin d'enquête. On n'a plus besoin de rechercher comment l'infraction s'est commise parce que nous avons la vidéo. Pour le même fait, il y a eu des gens qui ont été en prison. Moi, je condamne ces gens. Moi, nous ne voudrons plus voir cet État être déstabilisé par ce genre de propos. Nous avions donné l'élan démocratique à l'État. Nous devons pérenniser les élections. C'est par les élections que les gens doivent entrer au pouvoir, doivent sortir. Mais quand quelqu'un vous dit que nous avons des armes à distribuer, c'est attentatoire à la sûreté de l'État. C'est quoi la suite? Vous avez l'affaire Lobo. Lobo, on nous a dit ici, c'était accueilli pour, je crois, 2h, 3h, 24h, Namakala. Lelo, il est libre. Etienne Longondo, qui a même fait des aveux. Parce que nous sommes ici dans le principe de la cristallisation des faits en droit. Il a fait des aveux. Qui vous dit que les aveux constituent le moyen de preuve. Il a fait des aveux où? Hein? Pyramide de preuve. Le principe de la pyramide de preuve. C'est-à-dire que tant à Zongisaki Mbongo, au moins à Zimbongo, il y a Ibaki. Gardé par devers lui. À Zongisi. C'est un aveu. Principe de. C'est-à-dire que les aveux constituent le moyen de preuve par excellence. Pyramide de preuve. Tant on m'a avoué, il y a juste ça, on a besoin d'enquête. Et alors, on a besoin d'enquête. On a besoin d'enquête. On a besoin de preuve. C'est un aveu. Mais il est libre.
Mais pour des raisons de suspicion, aujourd'hui, Niembo, la tête de Niembo est recherchée. Aujourd'hui, il y a des Congolais qui ne peuvent plus circuler comme tous les Congolais. Pour des raisons de suspicion ou bien... Pour des raisons de suspicion, il y a un rapport. Quel est le rapport? Oh, le rapport, il y a un 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 rapport. Quel rapport? Vous voulez dire que la justice a allé tendre là? Non, moi, je vais présenter le fait. Il y a un détournement, il y a un chile gelou. Mais c'est tellement qu'à la fin, il y a un sang, il y a un bateau révolutionnaire. Il y a un Lumumba. Il y a un moulé les pierres. Il y a un sang. Donc, on a constaté que dans la société, il y a un depuis l'université, les gens qui me connaissent, depuis l'enfance, depuis ma vie. De sorte que quand on a eu une place, les choses ne marchent plus, je suis le premier à dénoncer. Tu peux me prendre comme tu veux. Parce que regarde une chose. Ils ont un bateau qui s'en sera présent public pour Bazoulou comme ça. Ils ont un bateau qui critique à présent public parce qu'ils ont besoin de Benga, Bango, Bacha, Bango, mais moi je n'en ai pas besoin. Ngai na zana besoin ya ka refaire observer makambo ya kongonde to yoka na président de République et zo sale mabongo te. Ba ya bisi biso détournement ya chile gelou. Mais détournement chile gelou, on veut bien où en sommes-nous? Par rapport à la carte chile gelou, la carte chile gelou. Ba to union sacrée bazate, bo opposant bazate, ba ta Kabila bazate parce que moi j'étais de ceux qui voulaient que Kabila soit arrêté. J'étais de ceux qui partageaient cet avis là. Mais la carte na moya je so Kabila zate. Et ça, c'est l'union sacrée à mon moment où Yemoko. Où en sommes-nous avec le détournement? Est-ce que par rapport à l'IGF, et ça, la version sous la présidence, est-ce qu'on peut nous dire, parce que le rôle de l'IGF, c'est un service technique qui a pour mission de donner des avis sur le circuit financier de la gestion, de l'utilisation des fonds publics de l'État. À la présidence, on utilise les fonds publics de l'État. Est-ce qu'on peut nous donner, on peut faire le fisc et les comptes rendus de comment on perçoit l'argent? Les frais de fonctionnement de la présidence, c'est combien? On vous parle souvent de dépassement à la présidence. Mais quand c'est un dépassement de combien? Est-ce que lui, je peux nous donner un avis dessus? Dans un état de droit, il n'y a pas de suprême, messieurs. Voilà pourquoi Montesquieu parle de l'état de droit comme l'état étant géré par la primauté de loi. C'est-à-dire que la loi est au-dessus des individus. Aujourd'hui, il y a des individus qui sont au-dessus des lois. Oyoka Jamal Kabunda, Atoboli Bapina, Mamamat. Atoboli Bapina, Oyo. Atoboli Bapina, Bakongole. Quand vous dénoncez, vous êtes des haineux. Mais attends, c'est pas aussi un problème. Batoboli Bapina, Bapina, Bangwa, Liboso, Bakendaka, la justice, Bakendaka, même pas dans le Parlement, Basuka qui, Narulila, Nabalaba, et puis c'est fini. Nalobi, hein, quand on Kangaga, Jacqueline Dala, nan yagendo funda yena justice. Tout ce soulet. Nan yagendo funda yena justice. Yo yebaka plainte, moi, moutake ou déposé. Tant que Kangaga Barnabé, nan yagendo dektika plainte. Le ministère public a le rôle de s'imprégner des infractions, à la recherche des infractions au sein de la société. L'État, il y a deux modes de saisine juridictionnelle. Vous pouvez saisir la justice comme la justice peut se saisir d'office. Ce sont deux mécanismes de saisine de droit. Vous constatez que comme il y a saisir justice, justice est saisir. Ça, c'est une destruction méchante. Mais au cas la faille, il y a un peu de temps à Moutawa. Moutawa fondate sur le barotika. Donc, c'est-à-dire que l'État congolais tel que présenté, aujourd'hui, il y a des hommes forts. Heureusement, Zambala l'a raté. Les gens ont semblé minimiser, ont défendu quand Kabounde dégonflait le pneu de tel ou de tel autre. C'était acceptable. Mais du moment où c'est arrivé avec Maman Marc, notre maman, que je salue au passage, moi j'ai toujours du respect pour le maman, c'est devenu une situation aggravée. Jusqu'à là, il n'y a rien, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de saisie d'office de la justice, mais, il n'y a mais rien. C'est ça, et heureusement que ça soit fait, Naïbi France Kouzike, ça. D'abord, pas ma mère. Je suis président de la République, parce que je suis candidat président en 2028. Yo, au Pandi et l'eau, quoi, congolais. Au Vanda, on a dit ça. Ozolia ozomela ya muta mobola ebi kote mutuka wana somba ngondeni president sekeli banda kote asombela mutu mutuka te asombela mutu bapunete et d'ailleurs bato bazo sala na bakabila ils sont impayés. C'est des gens qui travaillent sans arrêter. Bato bazo bana bakabine ya union sacrée, ils sont sans arrêter, sans un sous-bassement administratif qui te reconnaît le pouvoir. Mais soki muta bundani na pasi ya vie na ye Azon Luka, peut-être de moi, quoi, na yabana, ok, toboli bapne, mon Dieu, c'est quelle méchanceté. Voilà pourquoi, tant en total, il y a un non, son de Wokalafai, to créer état de droit.
victime d'état de droit. La carte victime d'état de droit, mon tonion se te récolter à bas problème, fait au bandeau publié par rapport à Namiso. Sous la victime d'état de droit d'une manière comme d'une autre, ou y opposer ce problème, se te republier rapport. La carte état de droit, le roi, toi, le roi, gardien et gestion en boca. Ce qui est un ami, tu l'endeli. Ce qui peut passer bien, tu bêtis ma boca. En fait, à vous entendre parler, beaucoup qui n'aiment mon abacage, azado. Et il y aura soit cage et le barasus. Non, ma cage parle à tout moment. Quand il parle de quoi? À tout moment. Quand? Parce qu'à Kaj, je suis un peu journaliste, reporter à l'époque, dans la CTV, chaque samedi, tu as une activité à Kaj. Vous voyez comment ça? Ah, alors, bah, il y en a peut-être beaucoup. C'est-à-dire que Lelo Oyo, les gens ont choisi d'aller du côté du mal pour se satisfaire. Il y a une émission et on a eu la révélation. Ça, c'est un peu présent, c'est ce qu'il dit, au nom de l'idéal. Oh, je te dis, il y a un peu de l'idéal, mais il y a un peu de l'idéal. Tout le monde est déçu. Parce qu'en lui France, que ce soit l'Andi Moutoupar idéal, à tes simbi, je suis avec lui. Parce que pour moi, je me dis, ce n'est pas mon intérêt qui est directement concerné, mais c'est l'intérêt général. Mais parce que nous avons sacré pour se chercher des postes, ils n'en ont pas trouvé, ils se sont tués, d'autres sont en train de sortir. Et d'ici 2023, il y aura ma déclaration. Donc on ne va pas bâtir l'État sur la flatterie. Et victime et état de droit, les structures, il y a des Congolais. Oh, tout ça, la action abisso pour préserver les intérêts collectifs des Congolais et commencer à dénoncer ce qui ne va pas. Prenons préserver les intérêts collectifs des Congolais et dénoncer ce qui ne va pas. Bah, étudiant, oh, bah, se retrouver dans l'université Belé. Il y a aujourd'hui, même à Kinshasa, il y a plusieurs universités. Oh, bah, ça a enseignement dans l'État de médecine, mais le ministre a... Après l'état général et enseignement supérieur, le ministre a décidé de fermer certaines, en fait, pas certaines, mais de fermer la faculté de médecine dans certaines universités. Bah, tout le monde dit tout, ça s'est retrouvé dans la faculté. J'ai des plaintes, il y a des qu'on a vu sur l'université de Bandundu. Oh, bah, si ça déjà, si que na bango, mais prestations à serment, pour qu'on base un numéro d'ordre, exacté. Bah, évitez-moi de les panane, on les renvoie à faire un autre test. Bah, je vais les sous-titres, sinon, ils ont suivi le même enseignement que Batmi Ragnoso. Est-ce que la décision du ministre, c'est à revoir ou bien il fallait assainir ces milliers? Bah, ça, directement, bah, victime et état de droit. Comment ça? Donc, nous sommes en bas, victime et état de droit, ils ont slogan. Net, maman Marthe, maman Nabiso Lelo, ils ont victime et état de droit. Ah. Oh, Zambé la maman. Une phrase. Nalobi, hein? Maman Marthe, elle a victime état de droit. Yo, elle a victime état de droit. Mais étudiant à l'université, il y a victime état de droit. Mais moi, je ne veux pas parler du Bandundu parce que ce n'est pas un problème privé. C'est un problème ménager. Non, c'est un problème. Je suis d'accord avec toi. Je parle d'un cas. Et comme moi, passe dans le Bandundu, croire sur le discours de l'opposition. Ce qui est opposé, ça va laisser un bel sur la gestion de l'État et comme il m'a passé. Parce qu'on ne pouvait pas croire que lui dépasse au pouvoir aujourd'hui, nous pouvons vivre ça. On ne pouvait pas, on pouvait croire à ça, à tout sauf à ça. Au moment, ce qui est le token, je vais choquer. Ce qui est token, la logique, il y a au Kanga, à l'université, à l'université, au Tikalate. Ce qui est le lobby, le token, à la norme internationale. Parce qu'il n'y a aucune université congolaise qui se retrouve parmi les 100 meilleures universités du monde. Heureusement, place Nalinagina Chité Yangouana. Aucune université. Et aucune université n'est considérée d'abord un équivalence à ma diplôme. Au niveau international, ces questions sont traitées. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas au Bandai Otanganakin, au Katina, première licence, troisième graduat, il faut qu'on continue à poto au Bandela Gen 1. Mais ceux qui m'ont dit à poto, université en salaire là note moko est signifié ba pesi ba relever des cotes ayé nango ako sauter ako tripler ko to classe. Mais si monsieur Moïse Donzang veut fermer le faculté de médecine de certaines universités, qu'il nous dise c'est sur base de quel principe, sur base de quels critères. D'abord, un, l'université de Kinshasa n'a pas de laboratoire moderne. Deux, ce qu'on a les conditions, il y a un auditoire, il y a l'université de Kinshasa, il y a 300-400 étudiants. Il y a plus de 4000. Et là, je vais vous conditions, je vais vous la vision. Ce que l'État voulait faire, c'est quoi? C'est de doter aux universités les moyens, les capacités pour s'adapter au niveau. Parce que tant qu'on va investir dans l'université, on va faire des facultés, c'est que l'on va faire des facultés. En termes de capacité. En termes de capacité, en termes de nombre d'accueil.
Et en plus de ça, ma PC a tapé moyen mon côté pour que l'université, la faculté, on a et connaître quand même moi transformation. Les lois, on a dit que tant au Marshall Mobutu Sali, je pleure beaucoup cet homme-là. Tu vois, quand je regarde hein, l'histoire politique de la RDC, je regarde au Marshall. Il a beaucoup de défauts sur les plans de la dictature. Il est un républicain, mais la pratique n'est pas gestion en Boka. Nous devons beaucoup apprendre de Mobutu. Un étudiant peut te soigner, toi, Kalafai. A Toboli, au Pétou, au Tomba. A Pessou, au Pékis, à Pessou, au Pékis, à Salé, au prescription, à Salé, au diagnostic. Étudiant. Peut-être la première année de graduat, la médecine. Mais les lois, moi, j'ai aussi dit ça. Au bas, ben, au bas, quatrième doc, cinquième doc, n'habitez pas comme à Tina, quantième doc. A vous, vous soignez au Kalafai pour Biki. Au recouf. Au recouf. Ba département ba ministère le logo la ministère Yesu ba pese rango na moto yo aza passé temps na yemobima na kosala ba marche na balabala te. Vous voulez dire que le ministre n'est pas à sa place? Mais décision on a vu, c'est une décision qui paraît irréfléchie parce que hier banda côté na faculté de médecine a pese déjà nini a sali déjà nini. Quel est le laboratoire qu'il a créé? Parce que pour arrêter il faut d'abord libérer. Pour demander, il faut d'abord donner. C'est ça le principe à vie. La faculté de médecine Bando Kota. Tu n'as un... D'abord, quelle est la politique de gestion dans le secteur de l'éducation en RDC? Politique, il y a gouvernement, il y a Bambouarior. Ezanin. Il y a Warrior, Mbouarior. Warrior. Ezanin. D'abord, il y a un gouvernement qui s'appelle Warrior. Jamais qu'aux États-Unis, il y a un gouvernement qui s'appelle Mokombo. Ou en France, gouvernement qui s'appelle Mokombo. Mais non. Il y a eu des gouvernements Jospin. Non, le gouvernement des chefs de gouvernement, ouais. des chefs d'État. Lui, il n'a pas voulu qu'il y ait des gouvernements Samaloukonde qui est au moins un gouvernement. Non, non. Pourquoi on parle de Samaloukonde? Parce que l'histoire. Avant. Est-ce qu'on peut comparer entre le prof Ilunga Ilunkamba et Samaloukonde en termes de gestion gouvernementale? Est-ce que Ilunga Ilunkamba, on a. De l'inaction, traité de l'inaction, de l'inactivité, Samaloukonde sans jeune, sans vif. Est-ce qu'on peut comparer les deux? Très bien. La comparaison repose sur trois éléments. Deux éléments, pardon. D'abord, les contextes politiques de gestion. De deux, les circonstances politiques de gestion. Ilunkamba est né dans une situation de rivalité politique d'un autre camp. Tout ce qui était de député, de ministre du côté du président de la République ne pouvait pas facilement l'accepter. Il y avait une guerre institutionnelle. Qui ne disait pas son nom. C'est comme ça que Patrick Charodot dit, la crise politique, la crise institutionnelle est la résultante de la crise politique. C'est-à-dire que si au niveau des blocs politiques en présence, dans une situation d'exceptionnalité constitutionnelle, qui peut être gouvernement de coalition, lorsqu'il y a des crises au niveau des partis politiques ou de regroupements, donc des blocs politiques en présence qui gèrent l'État, ces crises-là sont tout de suite répercutées au niveau des institutions. C'est-à-dire que si tu as Bounde, Nashada du Bazo Bounda, tu n'as pas encore une institution, tu n'as pas encore Bounda. C'est dans ce contexte que Ilunkamba a été Premier ministre. Mais Samaloukonde a fait l'unanimité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il a, le ministre de sa famille politique, l'Union Sacrée. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de rivalité politique. Il y a le plein pouvoir. Et le pouvoir n'est pas partagé parce qu'à l'époque de Ilunkamba, le pouvoir était partagé. Mais Ilunkamba, nous l'avions réquisé parce que c'était un vieux fatigué. Il y a eu des moments qu'il pouvait réagir comme un politique. Mais ça, c'est l'âge. Ah, mon âge. Je suis un peu plus jeune. Papa, mon bimbo, qui est un peu et puis professeur d'université. Oh, elle a mis un peu plus jeune. Elle a perdu. Mais quand Samaloukonde, depuis que le gouvernement ici de Mbouario est revenu, qu'est-ce qu'on a senti des changements dans la vie sociale du Congolais? Parce que ce soit le gouvernement, que ce soit le président, que ce soit les institutions de la République sont nées pour répondre aux problèmes du peuple. Et le peuple, cette fois-là, est considéré comme le justificatif d'existentialité juridique internationale de l'État. Ça veut dire que pour que l'État existe, il faut qu'il y ait un peuple. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas d'État. Mais il faut poser maintenant la question, c'est que l'État apporte à ces peuples-là.
tout ce que nous devons faire, nous devons nous poser la question. Soyez bon, il y a des chiffres macroéconomiques, il faut tout en voir. Il faut tout en voir la population, qu'est-ce qu'on sent. Soyez bon, il y a des questions. Est-ce que le président public a signé 1000 contrats après 101e voyage à lobby? Quels sont les contrats où il a signé? Nous devons nous poser la question, le contrat n'est apporté ni la population. C'est ça. Vous avez un problème avec le voyage du chef de l'État? Non, moi j'encourage le président public de faire des voyages, mais alors, des voyages qui produisent. Si ce sont des voyages qui ne produisent pas, selon vous, en fait, le chef de l'État, il y a un principe de délégation de pouvoir. Trésor Carfaï, au Yoga Kito, il y a Roger Mbogon en 2028 ans, on contrôle le pouvoir. Est-ce que vos voyages à mon côté institution, au Yoga, le principe, il y a Roger Mboka. La délégation de pouvoir. Le président Lelo a dit qu'il était Lelo, il y a un président, il y a un avion. Il doit se demander quand il voyage, quel est l'intérêt de l'État, l'argent qu'on débourse pour les voyages, qu'est-ce qu'on peut gagner au retour. Il doit se poser la question, quand on gagne cet argent au retour, quelle est la crédibilité de la RDC quand en voyant, parce que le président de la République, le chef de l'État, son pouvoir est assis à l'article 69 de la Constitution. Il est d'abord le premier symbole de l'unité nationale. Il est le représentant national de l'État. C'est celui qui est le, je vais appeler je vais utiliser un concept un peu plus compréhensif. C'est celui qui est le patron de l'État. Voilà. Donc, patron, patron, Azanaba, chargé commercial. Azanaba, Alouab, Nini, Venangaï, DG, Chabani Record. Donc, ce qui est bon, c'est un document pour nous partenariat avec le ministère. Chabani Record est un document. Si vous avez Chabani Record, France, qu'est-ce que ça joue dossier à 5 mails accueilli, na réception, non, na zoluka, na koutando sa la partenariat, accréditation. Bah, réceptionniste, là, vous avez le one. Ah, puis monsieur, vous êtes qui? Oui, je suis le DG. Déjà, chez nous, on est sérieux, c'est ça? C'est même le DG, mon gars, chargé à commercial. Donc, c'est le. C'est ça la philosophie de l'État. Mon conseil, c'est pas voyage ou à cause de la tête. Le président se déplace pour des plis, par exemple, sommet à Nations Unies. Le président peut y aller. Mais présent au Kenya, un fonds monétaire international était pour nous reverdir ce que bon moyen a été. Réserve d'échange de colis, il faut saluer le travail à gouvernement de Warrior. D'abord, un, Nauti Oyebisayo Awa, que Ezagi Lukuta, c'est du mensonge. Madame la gouverneure. Bon, moi, j'ai un faible pour les femmes. J'ai un faible pour les femmes. Je vais épargner vraiment maman Nabiso. Je vais éviter sur base à critères de l'économie. Pour y avoir ici, ce que vous avez dit, c'est le populisme, automatiser des recettes pour maintenir l'économie. Peut-être qu'on a besoin de résultats. Tout ce qui est de l'économie, je vous ai dit que l'économie, c'est le premier secteur de la vie d'une nation. La politique internationale impose un crédit, ce qu'on appelle l'identité économique d'un État, le budget. C'est-à-dire que chaque État, au niveau de la politique internationale, pour vous considérer en tant qu'État puissant, on doit voir votre économie stable. La Chine est aujourd'hui imposée au niveau international et siégée, considérée comme acteur géostratégique. La notion de la géostratégie est née des grandes puissances qui tiennent les fonctionnalités internationales des États, les décisions du monde. Le président tel de Rocha tel, parce qu'en Afrique, l'arabe président de Rocha Moussous. Mais l'élection est une formalité. C'est sur base, il y a capacité économique que vous avez représenté. Bino, déjà, ceux qui réservent des changes, ils ont dépendu de la Fonds monétaire international et PESA Bino. Ils ont beaucoup à louer. Après, beaucoup si bateau pour maximiser. Vous avez besoin de maximiser sur base, il y a une source financière nîmes au lobbyte. Vous allez partager peut-être une lecture à professeur Mavimou Lumbalobi, Coco, les réserves de sang, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir. La stabilité économique. Sans prétention d'être économiste, mais j'ai quand même, moi je suis un chercheur. Quand il y a une question d'actualité, je dois lire. Je suis un chercheur. Quand il y a une question d'actualité, je dois lire. Je suis un chercheur. 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 Je suis un
bat bananda wana zolo ba bango bazo vérifier kuna tso yo zolo ba mambo ekomamite c'est que ozo sala ça dit c'est une façon de dire que makambo est allé li to de chaba et ça n'a pas d'abord un le lot zo ateza ki 3 milliards ngo nous ne pouvons pas nous réjouir de ça parce que biso to dans les seuls pays au monde au budget et banité le budget 2022 va déposer déjà ça combien 10 milliards pour quelque chose d'abord un yoza journaliste monene so budget ya 10 milliards ezala raté na monde ezate oh budget ezala rande nini 10 milliards 500 millions 10 milliards point 5 non non un ezala pointé ezala budget ezala non 10 milliards point 4 c'est-à-dire quoi casser on a 10 milliards 500 millions le principe du chiffrage du chiffrage l'économie chiffre nyonso yoza ezo ya après virgule ezala tine. Nous pouvons partir des milliards, millions, 1400. 10 milliards, 10 milliards, 500 millions, 500. Quelque chose va pousser en haut. Président, le bagage est à 11 milliards. Ton dit, gouvernement va boire le bagage 6 milliards. Ton dit, écoute, n'a parlé pas pour exercer des milliards. Bon, ton dit, monsieur, mon conseil, ton dit, écoute, n'a parlé pas. Ton dit, question. Donc, au écoute, n'a parlé pas, et ça, au mon conseil, le bagage, c'est mon conseil, mon conseil, mon conseil, hein? Yondo koye, tout pousse en a, tout le secteur. Donc, ma réserve économique ou macroéconomique, on est là-bas, mouri, bazoye là-bas tout. Préparez en a besoin, à mon ali, pas équité. Azan a besoin, ça qui a l'osso, équité. Azan a besoin, produit à première nécessité, équité. Kolé, y a peuple, comme le kolé, comme un luxe. Soyez m'tazo l'amba soso, ou le bas vivre, ou les exporter d'ailleurs. Bato bazo, tu as bauté le miso ma bien. Et comme un luxe, ou le bas yaga bien. Les lots de tambour en foule, moi, je sais ce que mon amour tabouagi moussou. Où sont mon amour? Bissot en moto, je vois les biscuits. Si on voit les biscuits, le belé, bissot en moto, je tambour, le bosso, pas ta ma boma nion sur bando de sang à Babilo à Oliata. Bandolé à la foule. Boma roya ou ta boule à foufou. Ou soit mon aîné, fumbo. A ou ta boule, boule à foufou. Peut-être que le bateau va couler à Vanna avec chassaté. Au côté du papa, ce soit mon aîné. Ton loco là, ce soit mon aîné. Ton moussounia, il y a mon mes frères. Et puis, ton papa va nous cibler ma foule. N'est-ce pas foule à ma campagne? Dans ma campagne, n'a pas ta foule, vous voyez. Bah, je suis ni quoi, bah, ta foule, ta foule. Mon tafou, ta foule, ma foule, je l'ai mis à foufou. Ça va, bon, écoute. Tout est dans le secteur senti à l'aise, secteur à communication. On a la mise à foufou, n'a pas. Beaucoup de ministres. Ah, yes, merci. C'est plein. Tu fais que la contre, on dit à conseil des ministres, comme s'il y a quelques points touchés à certains ministres au Barretrango. Est-ce que vous pensez que la communication institutionnelle, la RTC, tout s'est focalisé dans le gouvernement, les alliés, la hauteur, aussi longtemps il y a des communications qui fâchent, notamment la question RAM, cette communication est institutionnelle, mais elle fâche. On ne sait pas comprendre RAM veut quoi, RAM veut dire quoi, et RAM, en cas de rapport au crédit, on ne sait pas comprendre. Il y a pas mal de dossiers où il y a communication à rendre pour sa première RDC. Est-ce que la communication institutionnelle est à la hauteur? Très bien. Bato yoza technicien en communication, c'est aujourd'hui communication institutionnelle, bah vous comprendre vraiment pénal bien été, ou utiliser le concept dans notre technique. Parce que moi je suis directement du journalisme et politique extérieure. Ok. Et toutes mes recherches, je les passe plus dans la communication politique et stratégique. Ok. Qui est l'un des départements de la communication institutionnelle. Il y a trois auteurs importants au Balobé. On a des problèmes à régime, 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 on a des Introduction aux sciences de la communication. Le premier chapitre à l'Obéni Magamba, communication institutionnelle. Harold Lasuel, les stratégies de communication. Les stratégies de communication. À l'Obéni Magamba, il y a fonctionnalité communicationnelle des institutions. Patrick Charodeau,
alobeli makambuya le élément discursif des langages au niveau de la communication institutionnelle. Et ça dit trois sous-bassements. On y a trouvé qu'on fait comprendre les bateaux, bazo gérer parce que les lots, la différence, c'est ça que tant au bandagi que ça la marche, au bando ça la marche na makolo. Mais qu'on gère mbo que ça na moutou. On a la différence. Donc, on va dire que je vais me coloter parce que je vais marcher dans ma colotte. Patrick, il y a un peu de temps, on va dire que ça marche dans ma colotte. Comme on a eu à gérer ou confondre, au lieu de la moto, comment ça va la macolo. Il y a un moment où il y a un seul mot dans le monde, on va dire que je vais faire la marche. Ok, Zora la moto là. Carapaï. Zora la moto là. Et là, on y va bien avec la communication institutionnelle. Dans le bateau, il y a la communication. Et ça, on va choisir le département de la communication politique. Okay. Communication politique, c'est la communication d'opinion. Il y a le acte performatif de langage de la politique et le rendre pour le public. Et ça, on va la communication sociale. La communication sociale, c'est une communication qui est proche plus de la société. Et ça n'a pas de la communication institutionnelle. Communication institutionnelle, je crois que le département n'a pas de communication managériale. Managériale, on a des athées. Dans le niveau de l'institution, si on suit par exemple Augustin Kabuya, quand il communique, bon, on attend Augustin Kabuya, on a un combat Augustin Kabuya. Parce que dans l'exemple, exemple moi bien. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un parti politique qui communique bien. Quand on a posé on a battu tant à tenir habité yondo ou tant à battre là. Bon, nous on est parti nini, on est parti nini. On est un père, donc on est un père, mutu comme bon, un père battant on battu bah oui, bah on saute. Tous en mutu, puis nous on est un peu plus récent, pour tout ça la différence ouan. Lélo, ceux qui, par exemple. Je Steve qui voit tant à zéro communiquer pour la source la politique. Steve qui voit ça, bah Blanchard, on est groupe à bah jeune ouana. Rosa Blanchard, Rosa, tu vois, le jeune là. Bon, tous les pays, tous les bateaux, ils ont un pouvoir, ils ont un parti à pouvoir. Parce que, ils ont une opposition. C'est des bons communicateurs. Tant qu'ils ont communiqué au nom de son parti politique, tant que Lutundu a communiqué comme ministre d'affaires étrangères, tant que Maman Oye a communiqué pour un compte de la Banque centrale, ils ont des communications. Communication institutionnelle, il y a pour persuader Batouté. Le principe de la persuasion en communication institutionnelle n'existe pas. C'est une communication du réel, du réalisme, du factuel. Plus de fait. 1 plus 1 égale à 2. Et c'est démontrable. Sauf que le but, comme il y a un budget, il y a 50 milliards. Ça veut dire que le budget est allé, bon, il peut permettre de faire un Congolais basala. Donc, avec nouveau budget et Mati, tu lances combien de Nzela? To sali combien de bilo wagolia, to sali combien d'alimentation, to sali boye, to tongi combien de nzela, to sali boye. Ça veut dire que nous sommes dans la communication institutionnelle, on peut les rechercher et les démontrer. Soyez mon conjoint, Kalobi, nous avions obtenu 4 contrats en matière du commerce extérieur. Donc, contrat on a commerce extérieur, il faut étonnement qu'il ait apporté leur hôtel. Et c'est une communication qui ne repose pas sur les mensonges. La communication institutionnelle, c'est banni le coutana. C'est banni le coutana démagogie. Or, la communication politique, il y a un paradis dans le pango. Ça peut passe. Vous croire. Hein? C'est comme pendant la campagne électorale, le président de la République a dit que il y a un paradis. C'est Allemagne d'Afrique. Mais Banda, tu as commis les lois à 3 ans à ta Brazzaville d'Afrique. Non, tu commis. Vous comprenez? Ça veut dire que c'était différent. Félix, c'est ce qu'il dit. Oui, Félix Tshisekedi a communiqué bien quand il était. Attends, non, le bel homme a bien. Félix Tshisekedi a communiqué bien en tant que Félix Tshisekedi. Politique. Non, en tant que Félix Tshisekedi, personne ou en tant que Félix Tshisekedi, l'incarnation d'une institution. Très bien. Voilà ce qu'on a dans le contexte de communication. Le contexte de communication a les amis balé. Félix Tshisekedi, président de l'IDPS, c'était un bon communicant. Là, c'est personne. Un bon communicant. Oui. Félix Tshisekedi sera sur sa l'émission. Premier élément, Patrick Charoda, le même, pour sentir mon tour de la communication, principe, il y a pragmatique, de la pragmatique, la cohérence. Okay. C'est-à-dire, il faut tout sentir que tant qu'on lui fasse à communiquer, on va être à l'obé, à se contredire. Un communicant ne se contredit pas. Et un communicant ne se dédie pas. C'est un échec de communication.
Et Félix Tshisekedi de ce côté-là, il faut un chapeau bas. Mais lorsque Félix Tshisekedi dit président de la République, maman nangaï, promesse pour que PC vide, te. Soit zui vide, papa. Alors, tu as 10 promesses. Mais ma promesse, c'est plus de 200. Attends-moi dans ton monité. On n'a pas de communication sectionnelle, qu'on cause à te. Parce qu'on cause à te, au Kangayo. Soit les gens qui ont des caméras à bêta à bord, moi, wawa. Abina na d'ici décembre, basso de moutonnion sur ici là. Tu comment décembre, le roi de Bosso va rappeler à Yézalani. Communication sectionnelle est une communication de rappel. Soit le lobby, basse une note, baba n'y gozé la yo. Soit médi quand il est bon côté, bah on aura même propos ya yo. Pourquoi tu restes souvent à la communication zone, basse une roi, le baraka la basse une cellule, communication institutionnelle. Deuxième chose, la manière de communiquer d'abord, un, par exemple, il y a un conseiller en communication. Oh, non, tout le Eric, monde là. Eric Nindou, je crois, si j'ai pas, Eric si j'ai pas massacré. Alors, bah, le BBC est directeur de communication. D'abord, il n'existe pas une fonction dans l'architecture communicationnelle. Il y a une institution, fonction, on va bien à directeur de la communication. C'est quoi? Cette fonction n'existe pas. Parce que dans l'institution président, il n'existe pas une direction. Ce sont des services. On met place par électrisme, mais au botama. Et ça, par exemple, il musée de l'eau, on a besoin de battre. Communication politique, au Zomona. Communication nationale, on a la présidence. Et ça, on a la direction. Et alors, on a comment on a buté. Et alors, on a CML13 télévision. Dans CML13 télévision, on a la direction des programmes, direction des informations, direction commerciale, direction des ressources humaines. Et chaque direction, il y a un directeur. Donc, pour être directeur, il faut être dans une direction. Un service ne peut pas avoir un directeur. C'est ça la sémantique. Les notions lexicales. Mais yo, osa chef à service, moza directeur. Oh, vous le ratez. Bon, osa c'est la mouta bongo. Et en plus de ça, et l'on va m'y balayer. Quand ça la confusion, t'es dans mouto, a passé t'en aïe mobimba, y'a un traitement d'information. Que le journalisme est classique. Birago Diop parle de deux types de journalisme. Un journalisme classique, oh, okay. Quelqu'un se limite au niveau de la récolte, du traitement et de la diffusion des informations. Il se limite là. Mais il y a le journalisme d'opinion. Ouais. Oh, okay. Quelqu'un comme Louis France, parce que ça peut prendre une position. Et c'est ce qu'on appelle les grands genres. Contrairement aux genres mineurs. Le genre mineur, c'est ce qu'on a appris, le compte rendu, les interviews. C'est les genres mineurs. Tout le monde peut les faire. Mais les grands genres journalistiques, il y a des gens appropriés. C'est-à-dire que Moutou est capable de défendre le président de la République sur la salle et l'eau. N'est-ce pas vidéo, mon ami Colo. Il faut les cas. On défendre, il y a un défendre le président. Il y a une manifestation comme Mayamba, à soir là-bas, côté en abordonnance. Il y a souvent la salle et mission, à défendre le président, à Rolala. Bon, il a plus évolué dans le journalisme classique. Il est journaliste classique. Or, le président, en tenant compte du casting, n'a pas fait allusion aux deux types. C'est que Birago ne peut pas parler des types de journalisme. Donc, il a un porte-parole journaliste classique. Il a service à communication. En plus de ça, la structuration de services de communication. Ce que je le là, Moutaza a présenté un journal. Il y a une émission. Opinion à ses amis. Après, il y a un service mobile. Il y a 20, 30. Plus, il y a une rédaction. Il y a Giscard Gossema. Non, pas Mouto. Bon, Giscard Gossema. Giscard Gossema, comment on a été? Oui, mais Mouto, il y a une rédaction. Non. Giscard Gossema. Giscard Gossema. Ok. Qui est, il y a une fonction sur la Zanango, mais il y a une rédaction directe, une retransmission à RTMC. Il y a un compte à la présidence de la République. Il faut ouais, Vodou est une agence internationale. Oyo et travaillera sur l'élaboration des campagnes de président et les communications des présidents de la République. Si vous pensez que vous avez des défaillances, faites recours à une expertise extérieure. C'est ce que Kabila a réussi. Toujours on a niveau Kabila a la communication a changé poste. A Luki Moutou a dit bande, il peut faire mieux.
Mais là, d'abord, service à communication, ça va côté caméra, il y a un Félix, il y a un bâtonnier. Mais comment on bounda la carte à communication, il y a une guerre. Pourquoi ça, la salle de est-ce qu'il y aura la communication à présent d'applique? La communication institutionnelle repose sur les angles. Premier angle, celui qui est présent à l'activité, il faut exploiter ma angle. Pourquoi soit angle, il y a persuasion, angle, il y a défensive, angle, il y a offensive. Bo kaboli mutuna muta poni angle moko popo batu no opinion ba retenir le moko on ni le moko ya conseil de sécurité des Nations Unies wana basise wana président akokende a participé a zongi à part le fait d'avoir annoncé le président akenda ki personne ne va nous dire le contenu les formes de ces assises là azate toujours mara comme 2 minutes dans la loi étalé du gouvernement déjà sur la présidente réplique il y a un problème sérieux de communication bosco na gouvernement. Communication gouvernement est tenue par Nani. Oui, ministre de la communication. Ah, c'est ministre de la communication. Si quoi? Il y a un peu de substituer dans le bandeau de ça, pour choisir l'angle à exploiter la communication au gouvernement. Qui est le coordonnateur de la communication du gouvernement de la République? C'est qui? Il y a un moment où chaque ministère les autres communiqué dans le Ndenge Nango. Ou il a communiqué à Bomi. On a communiqué, parce qu'on a besoin de matin, on a besoin de quitter ça. Mboka so olingo kambango, zala d'abord préparer. Et de deux, zala na philosophie ou kambé la mboka. Et de trois, so zo kamba mboka, yéba ko structurer ma service. Parce que so même une anarchie. C'est le président Snamond Lelo, président zambien. Accueilli na trois personnes. Bon, c'est bon. En fait, Louis France, comment est-ce que tu peux accepter que le président Zambia qui a trois personnes? Ça va dans le garde de Balena Yemoko s'il. La lobby Yemoko a tout à l'obi à trois personnes. Yo, peut-être ça y est. Garde de Balena Yemoko. Non, Yemoko, il bat à Kenda. Garde de Balena Yemoko. Yemoko a trois personnes. Sans protocole. Et puis, à essayer, obéissez. Babé Nango, la sémiologie de communication. Azo Sala, bino signe de communication. C'est pour vous dire que Bateau, et puis ton moni, ah, on a ma délégation, non, c'est la bino qui. Batmissou Bakena 5 personnes, Batmissou Bino Bokena 125 personnes. Hôtel, Mbongo, tout ça. Mais ma voyage, on a Bakewana, il va porter na Congo. C'est comme le président parler avec 10 personnes. Problème des années, Bazo Pesa Batmissala, on a besoin de Moutouna Mouta se retrouver. Moura Bakamba, on a Nenga Batba se retrouver. Lui, France, causez qui ça? Donc, tout de ces pays n'est pas toujours noir. Il y a quoi à espérer. Okay. Mais jusque-là, en tout cas, tout ce que nous voyons sur le terrain. Il y a encore quoi à reprocher la gestion, la manière de gérer ces pays. Non, la tigale n'a pas principe. Est-ce qu'on a fini mon toit? Merci, Tosuki, si émission n'a pas besoin de quoi aller. Le Tarope Sayo, 1h30 pour te clôturer. Te noter victime, il y a état de droit. Et ça l'a mis par rapport à un constat, par rapport à Makambo Oyo, déjà politicien, le rôle candidat à la Gagabiso. Communication institutionnelle, un sérieux problème. La République démocratique du Congo, partant de principe, te retenir un passage. Là. Pour retenir que Mboka Eza Mboka Bakamba on a pas principe et victime état de droit ezali structure oyo ya ba congolais pour na ba congolais na ba congolais tous ali ko bundela ba congolais pe Congo et Mboka na biso totika flatterie lelo oyo ya beaucoup de Lushima ba outil Lushima Kabila lelo c'est qu'il a multiplié, le président c'est qu'il a multiplié Balushima. Il y a des Lushima majeurs, il y a des Lushima mineurs, il y a des Lushima seniors, il y a des Lushima juniors. C'est-à-dire que problème tous en ango awa ezali problème il y a ba principe. Ok. Mboka na biso po et mata et ko dépend na attitude biso to kozala nango, maturité biso to kozala nango. Soki tous en maturité donc, tu refais gober président par erreur. Il y a erreur, monsieur, c'est la président, on n'a pas. Il y a bité. Mais ça, va zélé, bazo salayango. Et ceux qui sont dans ce temps, ça a aligné dans par erreur. Finalement, tu te rendre compte que Mboka existait. Nazo encourager, bateau, baza nommé dans l'institution Mboka, mais nazo déplorer légèreté. Nazo déplorer manière à gérer Mboka. Moutou, moko, t'as l'intérêt à peuple. T'as l'élo. Qu'on le pain comme un luxe. Kosomba mutu kapona Congolais et comme un luxe. Mutu ke koma pon mutu asomba et koma na pouvoir. Nabe koma so mutu asomba et koma na pouvoir. Donc, okoki ko sala musala mogote na kishasa en dehors la politique kosomba mutu kosomba ndap. Exacte. Merci. Donc, ba Congolais, to garde espoir. Ngayou Louis France Kouzike sa nazali mutu ya ba conviction.
Sauf que j'en ai monté à Monique. Madame Louis François Lobaga et Sepelissi étaient arrosés dans le débat. Merci. Vous voyez, il y a ouvert ma côté, mais sinon, je suis un homme de principe plus congolais que vous allez débouter. Je vais continuer à vous rappeler le président Tshisekedi Tshina, et il y a une année dans le débat. Parce qu'une année, il y a une élection contre l'autre, une année électorale contre l'autre. Merci. Donc, coup de chapeau, dans le Congolais, Balandi Bisso. Merci l'invitation. Merci de s'abonner. Je vais vous quand même, moi. Parce que, vous voyez, que. Situation de vérité aussi est né à Semel 13. Bande de ceux qui vont s'abonner à Semel parce que nous avons une émission chaque 12 heures. Kuna, ok. Balanda Semel, na sala émission kuna chaque 12 heures. Lundi à vendredi. S'abonner lundi à vendredi. Semel 13 télévision d'émission en saison en ligne. Merci de vous faire la faille pour l'invitation. Merci na bande de Konyoso Balanda Kibiso. Mingi mingi na le bango na weekend. Boy épargner biso ba scandale. Boy épargner biso ba scandale. Vous allez faire ma vidéo. Natala Rabilo Rwana, t'es dans la vie de la fin. Bon, épargner biso ba scandale. Bon, l'imbisa biso pesa, bon, épargner biso ba scandale. Bon, épargner biso ba scandale. Ba pneus au monde à passi. Bon, épargner biso ba scandale. République démocratique du Congo, te retournant on a boigna. Tout désacralisé, t'es. Ou toi, n'a ouya moutou, y'a n'a mboka, et monsieur Sile.